Merci les journalistes. Moi, je m'appelle David Karambi Fati. Je suis le président provincial de la communauté Tutsi du Nord Kivu. Oh, monsieur le président de la communauté Tutsi, vous avez été convié à une réunion intercommunautaire du Nord Kivu. Oh, dites-nous comment vous serez utile pour cette sensibilisation de la paix dans votre communauté. Merci pour la question. J'ai été heureux de participer à la réunion de ce jour. Pour ce qui est de votre question, notre communauté est prête à accompagner les chefs de l'État à travers les programmes DDRCS sur la reconquête de la paix qui est devenue une denrée rare. Nous allons nous investir totalement pour que la paix soit vraiment vécue au quotidien dans notre province, puisque ma communauté en particulier est victime d'insécurité. Nous sommes vilipendés, nous sommes traités des éléments et collabos des rebelles M23 alors que nous ne le savons même pas. C'est un mouvement qui était dans l'oubliette depuis 2013. Malheureusement pour nous, aujourd'hui les membres de notre communauté à Rutshuru, ici à Goma, à Masisi, nous ne sommes plus pacifiés à cause de cette nouvelle incursion de ces éléments. Alors, nous vous garantissons que nous sommes prêts à collaborer avec toutes les personnes pour la conquête de la paix, puisque sans la paix, on n'aura pas de développement. Nous sommes derrière nos vaillants phares d'essai. Nous appuyons la politique du chef de l'État pour que notre partie est de la République puisse être sécurisée. Monsieur, est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez lancer à d'autres communautés qui sont des communautés sœurs à la vôtre? Merci, messieurs les journalistes. Pour les autres communautés, je leur demande de nous accepter comme frères, puisque nous n'irons nulle part ailleurs, à part ici, au Nord Kivu. Donc, nous devons plutôt avoir la culture de collaboration en nous tenant la main dans la main pour atteindre le développement, pour booster le développement de notre province et par ricochet, celui de notre pays, la RDC. C'est moi qui vous remercie. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Théo Ruremesha. Je suis un notable de la ville de Goma, au Nord Kivu. Aujourd'hui, vous réunissez les gens à l'hôtel Bakanja. Qu'est-ce que nous, la population de Goma, Il faut préciser que c'est sur invitation du président de la jeunesse intercommunautaire, monsieur Benjamin Mushunganya, qui nous a honoré à nous inviter de participer à cette séance de travail avec la Barza intercommunautaire élargie à la jeunesse intercommunautaire. C'est pour quelle fin? Au fait, il y a beaucoup de problèmes d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre sécuritaire qui devraient être débattus au niveau du bassin intercommunautaire.
Donc, il a été aussi question de pouvoir étudier ensemble, apporter des solutions aux problèmes que connaissent la province du Nord Kivu, dans les domaines sécuritaires, dans les domaines du développement et dans les domaines de la cohabitation pacifique des communautés. Président, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous avez réuni les communautés, justement la Barza intercommunautaire et la jeunesse de toute la communauté et les communautés plutôt du Nord Kivu. Mais pourquoi cette réunion? Merci beaucoup. Nous avions appelé le représentant des communautés du Nord Kivu. Premièrement, pour leur demander l'accompagnement aux activités sur la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés du Nord Kivu. Et le deuxième point que nous avions demandé à nos aînés, comment, dans quel mécanisme que les communautés peuvent accompagner le programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire dans notre province du Nord Kivu, puisqu'il y a au moins et plus ou moins 6 mois que le président de la République avait nommé le coordinateur national et que je félicite. Lui-même, il a déjà fait des descentes au niveau des provinces pour prêcher et appeler les groupes armés qui sont dans la forêt pour se rendre. L'accompagnement, bien sûr. Comment est-ce que ces communautés pourront justement participer ou contribuer? C'est dans quel sens? Chers journalistes, nous n'ignorons que les groupes armés qui sont dans la forêt, ce sont des groupes armés en caractère communautaire. Et chaque communauté a l'obligation d'aller sensibiliser et appeler les jeunes qui sont dans la forêt pour que ces jeunes-là soient démobilisés. Et c'est pourquoi nous sommes dit nous devons aller juste aux représentants des communautés. Et pour que ce représentant des communautés puisse aider les programmes de désarmement et démobilisation, désarmement, stabilisation, pour que ces jeunes gens puissent opter et accepter qu'ils puissent revenir dans leur famille respective. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Bon, ce que je peux ajouter, je profite de votre caméra, appeler nos jeunes gens qui sont encore dans la forêt, de quitter dans la brousse et emboîter le processus PDD-RCS qui est chapeauté par son excellence, Monsieur Tommy Tambwe Ushindi. Je m'appelle Benjamin Mushunganya, je suis le président national de la jeunesse intercommunautaire de la République démocratique du Congo. Intercommunautaire, c'est quelque chose de fierté. On a encouragé bengine ba jeune nabo baende mu organisation zingine mu masanse zingine mpaka ku niveau national tuoneshe kama Goma vraiment c'est une ville qui yenye kuna valeur qui pèse hein. Mon politique à Congo, mon économie à Congo, sur le plan historique. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer mon combattement sur le plan dynamisme. Qui comparez Nord Kivu par rapport à Sankuru, par rapport à Bazouélé, par rapport à Haute-Ouélé, par rapport à ma province, c'est les Zingine, Malomami, ma. C'est où encore? Où ma Équateur et ma Chouapa? Vous ne trouvez pas Sidi Kivu? Même Sidi Kivu n'a pas gagné. Vous trouvez que Nord Kivu, il y a eu sana. Donc, si vous venez Nord Kivu, il y a Fanya Léo. Il y a eu Fanya comme en 2600 peut-être. Mais 6 siècles après. Moi, j'étais à Lusambo, j'étais à Gemena, j'étais à. Vous savez, il y a un goudron, il y a 1 km de fille, il faut au moins 600 ans. Donc, tout qu'on a beaucoup de choses, nous avons de quoi se féliciter. Vous félicitez l'autorité, tout, son excellence, le gouverneur Kaongia, Serufuri, Mukubwa, Nzanzu Kasivita. Par moi, na ma communauté, nous avons accompagné. Il n'y a que au Nord Kivu, que nous avons dit que nous avons discuté sur les problèmes réels de la société. Na wakati, j'ai changé ma parole.
Moutou en a poche à venir comme Royak. Il n'a tout ma batou ban avancé. Il n'a pas sa compétition. Il n'a pas sa compétition. Il y a une concurrence. Il n'a tout ma batou ban avancé. Contrairement à ma province et Guinée haute. Moi je vous dis que ma député est ma province et Guinée. Je prends exemple à Mongala. Tous leurs députés ont à Kinshasa. Y compris le gouverneur. Dans la province à Sankourou, tous leurs députés ont à Kinshasa. Y compris le gouverneur. Province à Lomami, tous leurs députés ont à Kinshasa. Donc, Mbo, dit que tout parle, ma province n'existait de nom. Kinshasa, il y a quoi source, il y a convoitise, il y a convoité, il y a Nord Kivu. Je suis allé à tout taxer, il y a le budget, il y a l'État, il y a Malaisie, il y a ma opération, ni. Au fait, il y a tout ce qu'il y a, je ne dirais pas oui, vous, mais il y a tout à manier, quoi. Prenez même les députés, venez quoi actif au Parlement. Il va députer à Nord Kivu. Moi, je vous dis, tout qu'on a député, il y a un Chikazaka. Si ce n'est pas Nzangi, c'est Juvenal Mounoubo. Si ce n'est pas Mounoubo, c'est Kasekwa. Si ce n'est pas Kasekwa, c'est Nzekouye. Si ce n'est pas Nzekouye, peut-être il va aller à Safou, Daniel Safou. Nabo ni mouitouma de Ovio. Tomari Thomas Lokondo, père son âme, et à chaque agenda, à chaque Wacha. C'était le seul député à l'Ouest. Mouyal Kwan est assez maquille. Le reste de mon parlement, si ce n'est pas Josué Mufula, c'est en tout cas ni si Badanga ni Hakuna. Moi j'ai dit que ici normalement, mieux si nous avons le pouvoir, on devrait, pour ne pas tout apaiser sur le plan national, ça va pas le gouvernement. Pour ne pas avoir droit à 40%, moi le gouvernement, va faire notre kiwa. C'est possible, Nahiko Magie. Nahiko Magie. Un jour, on a battu la première gamme d'administration. Mon excusez, Misiko, Siko extrémiste. Batola tumiga ma administration hapa mu Congo. Moi je vous dis mu 20 ans zenyezi kombele, on n'aura pas un directeur wa service originaire wa Nord Kivu. Kwa la pana 20 ans les amis, 5 ans. A Kinshasa wana yala wiko na ma ordre de mission. Chef de division directeur kukia kutumika hapa Goma. Kutumika Masisi, kutumika Ruchuru, kutumika Butembo, kutumika Beni. Et le sens contraire iko wapi? Ça je mwenye kuna information anaweza niambia. Usikia sasa no mtu Alilomba na hewa na mkuu wa mnifanyizia lobingi niende kwa direktere Mongala. Ubiye niende kwa direktere Chwapa. Niende kwa Kalemi. Hali kwake. Donc huko sansi tu mwenye naendaki. Batoto wetu enjuru batatuliza papa mbu finalma. Jutu kwa hapa tuko. Sia wote preske wote tuko bazazi na penyaba ya zala Mungu atawasaidia watazala. Tunafata tumikaka wapi. Njo komba reyele nye tunapasha fanya sur le plan national. Nutusi tunajitia pamoya. Njoo maana sasa tunaangalia kiana wetu yuko pale. Tumusaidie tumwambie mawazo njoo ile wende. Ku niveau ya bazin intercommunautaire nao baongee vitu vyenye viko réel. Le conflit mina ngalia réaction ya président Gashamba pamoja na président ya jeunesse Bunakima. Président, il faut me comprendre, il faut si vous comprendre mkubwa wa jeunesse Bunakima. Mesi ku réagir. Hao ku réagir. Mais Mukuba nani Mukuba président le vieux réagit. Oui, c'est toi. Oui. Et alors le chef a réagi. On a besoin de jouer à Nîmes. Ce qui s'est passé moi province, c'est quoi toi toi. Les blessures sont encore fraîches. Battu à communauté à Banyanga ou à Kale, ils ont souffert. Ça nous devons les reconnaître. Ils ont souffert et voilà tu dis qu'on a vu donc dans pas qu'assez qui gagne fraîche. Battu à communauté tous ils ont souffert. Akishimama pana ya j'apprendre ko batwa ta kuelezea vitu na utasikia manake ça dépasse. Alors la communauté za mualikale je le connais, batu wenyewe biko receptif. Unafika mkubwa mimi nakosa nafasi ya kulala batakupatia kitu cha kulala. Mimi nakosa nafasi ya kulima maharage batakupatia. Batapokea kila mtu. Mena le problème qui aise quoi? Il y a les entre guillemets les hutu. Les nderamu. Qui sont venus les phénomènes nderamu. Ils se sont installés dans le territoire de Walikale pour commettre mes exactions. Je ne peux pas aller au bidon de la Kingali fraîche. Alors, les commettre des mortels vont confondre la communauté Hutu. Pas moi, il y a un FDL. Je m'en ai encouragé l'initiative du président Gashamba. Il y a que c'est non. Ces gens, ce n'est pas une menace. Encore moins un danger pour d'autres communautés seulement. Nous, la communauté Hutu, nous sommes premières victimes avant les battre. Communauté ou toujours première victime, y a pas les bacs. Ils sont allés à Walikale, je ne sais à Walikale quand j'ai pigé dans quoi Kimbiza. Ça je vous l'ai dit. Où que ça pourra cachever et tout. On a enda mupaka makana, on a enda mupaka losso. Après on a enda ramu.
Jomana Walikale, c'est parmi les territoires les au présentement. Zengi on est là, on a fungé Mulango. Walikale, bato on a tembé à Russie, on a moto, gizi on attaque, on a enda konye on attaque, on a rubé, on a lala, on attaque, on a kula konye on attaque. Personne ne veut ça. Mais ma exemple, Zengi c'est quoi positif, Zengi? Pourquoi pas les politiques tous y fanyent au massif? Pourquoi pas tous y fanyent Muruchu? Leo Ben tu sifanye joani, Butembo tu sifanye joani. Leo wanaza kupatia kazi isha. Mais unaanza raisonner kupita mwa ile njia. Tugizine kunefu ni Ngwenda, kunefu 11. A partir ya 11 pale ku Ngwenda, pale ku Mai. Il faut andike testament. C'est soit pour la 25% quoi qu'il n'appe. Na 50% ku kufu. 25% de chance pour fika ku nyoko naenda ku destination finale. Dans notre propre pays. Ça, je vous le dis comme expert en matière de sécurité. Tant qu'il est frein, Iko, moi je vous dis, il y a une société que je ne vais pas citer le nom, il a développé l'agriculture, moi il est né. Il a fait un coton, il a fait un maragui, il a fait un maragui, ma soja, ma nini. Mais ça va en Afrique face à moi, il y a un peu de temps, il y a pas taxe, il y a Yves. On ne sait pas. On a fondé rien, ils ont annulé le projet. Ils ont annulé le projet, vous savez combien d'emplois nous avons perdu. Et c'est la communauté Hutu principalement qui est le grand perdant. On a compris. Donc, une logique, il y a président Gachamba, si il vote, tu n'as pas soutenu. Communauté, il y a Banyanga vraiment, il y a Walikale. Les blessures sont encore fraîches pour pouvoir oublier. Tu n'as pas si il vote. Mais Léo, il faut faire la différence entre les Hutu. Et les FDLR, les interrames. Ça, c'est très important. Dans la mission, il y a tout ceci. Point en Guinée, il y a un peu de temps pour encourager. Mes chers frères, nos chers aînés, les douanes, les bazés, les tout. Il y a un temps que, à tout le temps, il y a un ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. À tout le temps, il y a une situation qui est pour. Bah, député, ça va taper à Romba pouvoir, tout comme le système démocratique. Je viens de Tchaboulak depuis le 18 février 2006. Constitution, il y a 18 février 2006. Tout le système est maintenant démocratie. Je viens de Tchaboulak. Il est démocratie. Si elle est avantagée, mission légale est avantagée pour nous ici. Quand un avion doit quitter à Goma, il y a Somba, Makuta, il y a Pelek. Quand on doit appeler le gouverneur, nous envoyons l'argent pour l'urgence. On appelle seulement Nord Kivu na Katanga. Hakuna la province est Nguine. Mushaka Sikia, dites-moi, si on a fait un RTNC. Mushaka Sikia, ministre wa mine, alenda mu mission Loja. Ou bien alenda Chuapa, ou bien alenda Lomami, ou bien alenda. Sasa, Kinshasa, moi, comme on a quoi, tout province est à tout. Eh, Bandou, si il faut pas. Kinshasa, il faut que Kinshasa apprenne pour redistribuer. Il est mal revenu. Pour redistribuer, ça va se gavouler. Il va faire un projet militaire. Il va tirer un goudron, 250 km, pas à Walikale. Ça ne coûte rien, il faut que ça va détourner. C'est mon assiette comme la radio. Ma million, Kinshasa. Alors, communauté, il n'y a pas un intercommunautaire, il n'y a pas de pouvoir, il y a une sana. Nous avons le pouvoir au-delà de la députée. Comme preuve, la députée va faire une campagne et va dire que le président de la communauté Fulani. Il est ce qu'on doit faire. On a été président de la communauté en Europe, on a été costumé. On a peine de la bénédiction. Nous voulons bien une stratégie qui est électorale. Mais, na si et ça, ça nie en tant que bazar intercommunautaire, il est aspect. Pour tout chandan et avantage. Non. Chers députés, nous sommes députés, nous sommes baïtika, mais il faut que vous nous fassiez 1, 2, 3, 4. La nouvelle appellation, disait le pape Jean-Paul II, paix à son âme, la nouvelle appellation de la paix s'appelle le développement. La paix, bon, ok, nous sommes amani, mais nous sommes amani, nous sommes en cas de chômage. Ça veut dire quoi? Nous sommes fous comme zéro. Hakuna njia, unalima maragi yako, unalima jee na mimi mwenye kuna mashamba kule njia kwenda toto kule Ngora.
Mais à ta cultivé café, cacao, y a qui à ta ébéva kawapi. Nikuili machana wana yon, y en a qui a pas les gens à binaos. Les gens, pendant ce moment, quand on bâtit à l'école, ils ne vont pas paraisser, ils ne vont pas faire. Mais, kusema utoshe, watermelon, nani, pastèque, zenye, c'est un peu mal à l'école. On a eu un peu de mal. Il n'y a pas de mal à l'école. Il n'y a pas de pastèque ou bien. Mais kusema. Oui, pastèque, anana. Mais kusema, il fait que goma. Il fait que goma, il va nous. Donc, barzé intercommunautaire, au-delà. Il y a un ministère à Nikuya, il y a un enveloppe qui a 1000 dollars, qui a 2000. Il faut tout être j'y révolté. Franchement, moi je vous le dis. Il faut j'y révolté. Et les 2000 dollars, c'est rien. Quand un ministre vous donne 5000, moi j'ai, comme au cabinet ministériel, je connais comment ça fonctionne. Les 5000 qu'il vous donne, c'est rien. Mais ça, il y a un copine qui a 5 fois les ingénieurs qui va partir à nier toute la barza intercommunautaire. Donc, tout j'y révolté. Kila siku dialogue hizi ma dialogue za hivi il faut kuzi encourager mais aussi tu révolter vis-à-vis na pouvoir ya Kinshasa tu balombe réattribution non non redistribution ya mali yenye na popaka. Moi je vous dis mes frères, moi je suis né à Pabirere, mais na soma primaire à Pabirere, na soma secondaire Instigo université Kuinigom. Donc les deux guerres yenye tu chaka ona hapa. Il suffit que l'aéroport à Goma fungue. Kinshasa n'a pas mobilisé. Car l'aéroport, tout. Ne pensez pas qu'il va nous tout pendre. Ni quand je vais jouer à Vua et à Chouka, tu vas nous faire. Non, c'est avec l'esprit nationalisme. Je vais nous mobiliser. On a un Kanyaruchin, on a fungé, on a baqué à parler, on a contrôlé le Kanyaruchin jusqu'à Eringeti. Kinshasa est en Gaïk. Mais au qui fungue à toi l'aéroport, pas les communautés internationales n'ont pas mobilisé, le Conseil de sécurité n'ont pas mobilisé, si RGL, il est Kinshasa et Naïjoua. Il faut qu'on mette fait à ce genre de pratiques. Batou redistribuer, il est mal. Qu'on nous nomme des directeurs dans ma service, Moutoua Walikale, Moutoua Massissi, Moutou Moukoumou, Moumboute, Aende Naé Équateur, Aende Naé Lodja, Aende Sankourou, Aende. Tout qu'on a ma compétence, y'a pas. Si je vais partir, par exemple, au Parlement. Les députés les plus actifs, il va députer avec Banor Kivu. Mais est-ce que Pusha quoi représenter vraiment moi le pays? Pusha pas un ministère régalien. Régalien. Intérieur. A tout aipataka maïcha. Affaires étrangères. A tout aipataka. Défense. A tout aipataka. Primatiria. Maintenant que ça, il ne faut plus rêver. Ça va te tomber toujours dans la miyagani. Qu'est-ce que tu le chinois? Non. Hatia shindwa kangu vuzi koni kona ona mina jua ma kompetence za kila mtu hapa. Leo tukifanya president wetu Benjamin Mushunganya tunaambia bwana Benjamin on fait un lobbying au quoi premier ministre. C'est lui qui va passer mon 2023, il faut akamate mtu. C'est possible et c'est faisable. Ba député veut pas que je contenter na miette. Donc, Mukuba, avec votre autorisation, Président, merci bien pour remercier pour l'invitation. Tu as foutu ma moyen, les moyens, il y en a. Bika au Saïbi, pour bien multiplier. Pour bien multiplier, bien regretter, je vais dire, pour pas wakati ya kuikala, va kunye pombea, va gizi nafa, va pour musique, va onge, va pour musique. Il n'en va pas, après 3 heures, ma ongezi, va tout va pour musique. Une heure. C'est comme ça, c'est prouvé scientifiquement que nous pouvons y raisonner pendant 4 ans, 5 ans, 5 heures plutôt. Dis-la non-stop. Donc, prochainement, tu as l'ombre ou tu as contacté Vazé, parce que Vazé a réclamé, nous avons dit que nous avons un pouvoir. Il faut me rassurer que nous parlons, nous avons un pouvoir. Nous avons un pouvoir, nous avons besoin de cerveau. Mais au-delà de ma considération culturelle, ce qui est très bien, batu mufundishe batu batoto va conserver ma culture yabo batu va hypothèse culture awezi kwa musika muunde na haujue piga mboga butungu aetu. Est-ce que c'est normal? Haujue piga karanda uko musika muunde haujue piga. Est-ce que c'est normal? Uko musika mutusikazi haujue kuchunda maziwa kuseketa maziwa aetu piga ruganga.
Ou quand si joue un ami à Ouyou, non, il faut que les, il faut que les enfants bah, prennent les billes. Bah, tout baba qui est attaché pour ma culture, ça, c'est très important. Si vous pouvez m'animer Zara ou Kika ou Hiki, écoutez, il y a un débat, c'est quoi un Zanani. Quand il y a un débat tel que mon jeune frère, Mototetu, a mis ses mains, qui a fait la communication, vos réactions sont vraiment appropriées. Kama watoto hawakai na wazazi ni kusema hawatajua kitu. Na ikiwa kati yetu sisi wazazi tunakuwa na blokaji ya kusema hatupendi kuzungumza na watoto wetu, pale ni kuonyesha mfano mbaya. Sababu wakati watu wanazungumza ni pale wanatatua vikwazo ama kutokuelewana. Tunazungumza pale hatukutane, tunatafuta namna tukutane, alafu tunaendelea. Je suis content puisque kitu ya cohabitation pacifique iko ya lazima sana kwa sisi wote. Kama unapenda kuishi, unahitaji amani, unipe amani ili upate amani. Lakini nikikukwaza na wewe utanikwaza.